Bien, bonjour Katia. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Super. Tu vas bien avec le FT? Super bien avec le FT. Super. Merci beaucoup d'accepter cette interview, ce témoignage. C'est vraiment important pour moi de t'écouter parce que tu as eu tellement de bons résultats avec le FT que c'est important aussi de faire connaître ces résultats autour de soi. Et que les personnes qui voient cette vidéo bien prennent conscience que l'EFT est un outil qui peut vraiment les aider et changer leur vie, comme c'est le cas d'ailleurs pour toi, tu vas nous le dire. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, où vis-tu, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Katia, je vis en Suisse, à Ovrena. Ovrena, c'est sur une montagne, hein. On a beaucoup de neige, c'est sympa. Et puis, ce que je fais dans la vie, ben, je suis chez moi, je travaille chez moi, parce que j'ai un problème aux yeux. Et puis, du coup, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un travail. Un travail avec un patron qui est rémunéré. Alors je travaille chez moi, puis je fais des opportunités sur Internet, et puis je fais aussi beaucoup de développement personnel avec toi. D'accord, oui, je sais que tu mets en application tous mes séminaires, on a fait beaucoup avec moi. Et je sais que c'est effectivement entre la méditation et les tibétains, l'EFT, etc. C'est ben oui, tu t'occupes de toi et c'est bien parce que ça te permet, comme tu vas sûrement nous le dire, de faire des pas de géant dans ton existence. Alors, tu as décidé donc au printemps dernier de t'inscrire au stage de FT premier niveau que j'ai organisé à Neuchâtel. Pourquoi tu as pris cette décision? Dans quel but tu t'es inscrite? Alors, je me suis inscrite parce que je connaissais déjà cette technique, parce que des amis m'en avaient parlé, et puis eux-mêmes la pratiquaient. Et puis, chaque fois que j'avais un problème, ben, j'allais vers eux et je leur disais, mais écoute, j'ai tel problème. Puis, ils me disaient, mais écoute, pratique le FT, tu verras, ça va t'aider. Mais moi, j'étais pas du tout convaincue. Je me disais, mais ça me semble aberrant de taper sur des points, et puis je vois pas ce que ça pourrait m'apporter dans ma vie. Et j'ai entendu la formation que tu nous as faite sur Internet pour nous présenter ton séminaire. Là, je me suis dit, mais c'est juste incroyable cette technique, et puis il faut absolument que j'aille à ce séminaire, quoi, parce que c'est au-delà de ce que je peux penser. Et puis à travers cette technique aussi, je pourrais certainement améliorer mon problème de vue, ça pourrait apporter énormément de choses. Et je me suis dit, mais il ne faut pas que je passe à côté de ça. Je suis venue à ton séminaire à Neuchâtel dans le but d'acquérir cette technique, de pouvoir l'utiliser, et puis aussi de pouvoir améliorer mon problème de vue. Je me suis dit, mais ça va certainement m'aider si je lis le FT. D'accord, super. Donc c'est vraiment, si j'ai bien compris, dans le but d'acquérir la technique pour toi, pour améliorer ta vue, pour t'aider dans ta vie par rapport à des difficultés que tu avais, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Et donc tu as suivi ce séminaire et quels sont les résultats que tu as obtenus? Alors, je précise que tu as refait ce séminaire il n'y a pas très longtemps à Zurich, toujours le premier niveau. Pourquoi tu as donc refait une deuxième fois ce séminaire, premier niveau? Dans quel but aussi? Et quels ont été donc, depuis le printemps dernier jusqu'à ce jour, tous les résultats que tu as obtenus? Dis-moi, dis-nous ça. Oui, d'accord. Alors, j'ai commencé à tapoter, hein, comme tu nous avais enseigné pendant le séminaire, hein, comme tu nous as appris à faire la technique. Alors, j'ai commencé à le faire, bah, déjà, j'ai fait bien sûr pendant le séminaire, mais le soir, quand je me suis retrouvée à l'hôtel, toute seule, j'ai commencé à tapoter par rapport à mon problème de vue. Et puis là, tout d'un coup, bah, il s'est révélé que c'était lié à des choses que j'avais vécues dans mon enfance. C'était des choses très très difficiles dans mon enfance, j'ai eu une enfance assez difficile. Il y a des traumatismes de mon enfance qui me sont remontés chaque fois que je tapotais. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout réglé. C'était des choses dans ma vie qui étaient. Je pensais que c'était réglé, hein. J'ai fait de la thérapie avec un psychiatre, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de régler ça dans ma vie, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout réglé. Et que c'était encore très douloureux pour moi, et que ça faisait énormément souffrir, et puis que je n'arrivais pas à gérer les émotions. Et puis, alors, j'ai commencé à tapoter, à faire la technique, comme tu nous l'as enseigné. Et puis,
Là, je me suis sentie de mieux en mieux. J'ai senti que, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Hein. J'ai eu une enfance très, très difficile. J'ai eu vraiment beaucoup de choses. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que chaque fois que je tapotais pour quelque chose, je me sentais mieux. Je me sentais plus en paix. Et il y avait d'autres traumatismes qui sont revenus. Et puis, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. J'ai fait une séance avec toi qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Aidé à avoir plus clair, à avoir aussi certaines choses. Et je me suis rendu compte que cette technique était vraiment très très puissante. Et puis qu'elle pouvait vraiment m'aider à me libérer de toutes ces émotions qui étaient négatives, quoi, moi. Et qui m'aidaient plutôt à évoluer, à avancer. En fait, en partant du problème des yeux, ben, ça fait remonter des souvenirs hein, de ton enfance. Je m'en souviens très bien puisque tu m'écrivais régulièrement. Et je me rappelle d'un de tes messages où tu me disais que ça faisait même remonter des douleurs physiquement, en fait, parce que tu te libérais, en fait, de souffrances physiques que tu avais vécues dans ton enfance, qui sont remontées, et puis que grâce à l'EFT, tu as pu évacuer, y compris, bien sûr, sur un plan émotionnel, hein, tout l'impact émotionnel de cette enfance. Si j'ai bien compris ton évolution, au jour d'aujourd'hui, ton enfance et adolescence t'impacte beaucoup moins, c'est-à-dire au niveau émotionnel, ça a moins d'impact qu'avant. Tu as nettoyé ça, tu as enlevé la charge émotionnelle liée à ton enfance. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu penses à ton enfance, quand tu repenses à des souvenirs douloureux, ça va beaucoup mieux pour toi. Ah oui, absolument. Et puis, je peux en parler librement. Je suis même en train d'écrire un livre sur ma vie, justement, sur ce que j'ai vécu. J'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire tout ça si j'avais pas eu l'EFT. Ça, c'est évident. Et puis, j'aurais pas pu gérer ça. Ça aurait été toujours une grosse souffrance. Et j'aurais même pas pu en parler. Voilà. Là, je suis très heureuse d'avoir connu de pouvoir pratiquer l'EFT, quoi. Te libérer de ton passé douloureux pour avancer dans la vie et justement maintenant avoir plein de projets, notamment écrire ce livre. Donc ça, c'est fantastique comme résultat. C'est magnifique. Absolument. Et alors, tu as fait donc EFT, tu as refait le séminaire de nouveau là il y a quelques semaines déjà en arrière, au mois de novembre à Zurich. Et donc tu l'as fait dans quel but? Quels ont été les résultats que tu as obtenus depuis? Alors, je l'ai fait dans le but de pouvoir aider les gens, parce que je trouve cette technique, elle est formidable, vraiment. Le FT, c'est quelque chose de magnifique. Et j'avais besoin de refaire un séminaire pour pouvoir vraiment acquérir encore plus cette technique et pouvoir aider mes amis, quoi, tous ceux qui le veulent, hein, ceux qui le désirent. Et pouvoir proposer vraiment à des gens. Et j'avais aussi un gros traumatisme par rapport à un vertige. J'avais le vertige, beaucoup. C'est-à-dire quand je m'approchais d'un ravin, j'avais très peur. J'avais très peur qu'on me pousse. Et pour moi, c'était vraiment c'était pas du tout agréable. En plus, comme j'habite sur une montagne, j'avais du mal à gérer ça, quoi. Et puis, je me suis dit, je vais aller à ce séminaire et je vais faire une séance de FT avec Philippe. Et puis c'était l'occasion justement. Et puis c'est vrai que j'ai eu un résultat magnifique parce que j'ai été complètement libérée quoi, de ce traumatisme. Maintenant je peux m'approcher d'un ravin sans problème. Quoi. Et puis j'ai plus peur. Quoi. Pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, pendant la séance de EFT avec toi par rapport au vertige, on a retrouvé un événement traumatisant de ton enfance et en travaillant sur cet événement traumatisant, on a en fait pu libérer aussi cette peur, quoi. Et, puisqu'il y avait un lien avec un événement dans ton enfance. Et aujourd'hui, effectivement, tu me l'as confirmé, tu n'as plus peur d'être poussé, tu n'as plus cette peur du vide. Et effectivement, toi qui vis en montagne, c'est mieux pour toi. Absolument. Bon, mais c'est génial. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à l'EFT? C'est une technique qui est magnifique, quoi. Et c'est une technique qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, et puis c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, quoi. Justement, c'était la question suivante. Est-ce que est-ce que c'est une technique que tu recommanderais? Oui, absolument. C'est une technique que je recommanderais à tout le monde, puis même à mes amis, ou à tout le monde qui écouterait cette vidéo, même.
de faire un séminaire avec toi, parce que c'est vrai que tu as une approche de cette technique qui est bien, qui est même différente de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Et puis je pense que ça vaut la peine, hein, de séminaire avec toi. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Hein. Mmh. Et c'est vrai que... Oui. Alors, comment ? C'est quelque chose qui est bien, quoi, qui est important dans la vie pour évoluer, quoi. Pour être mieux, pour se sentir mieux. Alors c'est vrai que en tant que thérapeute, j'enseigne l'EFT avec une approche aussi thérapeutique, ce qui est un plus parce qu'effectivement l'EFT, ce qui est important, c'est de mettre en exergue vraiment tous les aspects d'un problème et de poser les bonnes questions pour vraiment cerner les points hein, qui sont à traiter correctement. Donc voilà, j'ai cette approche-là et c'est un avantage. Ok, mais écoute, merci beaucoup de ce témoignage, de ce partage. C'est vraiment important quand je vois le chemin que toi tu as parcouru. Alors tu as fait d'autres séminaires avec moi, hein, tu n'as pas fait que l'EFT, mais je vois notamment tu fais des pas de géant. Et l'EFT est un outil qui t'a permis surtout à te libérer de la charge émotionnelle de ton passé, hein, puisque tu as eu une enfance où tu as été très maltraité, hein, et plus que ça. Donc voilà, hein, je passe sur les détails, mais effectivement, toi aujourd'hui, tu es une femme qui est sereine, qui va de l'avant, et tu le dois aussi à l'EFT. Absolument. Merci beaucoup, Katia. Merci à toi, Philippe. Et puis à très très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, merci, au revoir.